car vous allez nous commenter l'évangile de la messe du jour de Noël. C'est-à-dire le début de l'évangile selon saint Jean, le prologue de saint Jean. Avant de le commenter, je voudrais d'abord lire un très beau texte de saint Augustin qui rappelle l'originalité de l'évangile selon saint Jean et la vision mystique que cela suppose. Voilà ce que dit saint Augustin. L'acuité, on va dire la finesse de son intelligence spirituelle a fait comparer l'apôtre saint Jean à un aigle. Parmi les quatre évangiles, ou plutôt les quatre livres de l'unique évangile, son enseignement atteint une élévation qui dépasse les autres. Et montant si haut, c'est aussi nos cœurs qu'il veut faire monter. Les trois autres évangélistes marchent pour ainsi dire sur terre avec le Seigneur fait homme. Mais lui, comme s'il dédaignait toucher la terre, éclate dès les premiers mots comme un coup de tonnerre, non seulement plus haut que la terre, mais plus haut même que toute l'armée des anges. Ces paroles, il les a reçues lui-même, lui qui reposait sur la poitrine du Seigneur, d'où il buvait ce qu'il nous présenterait à boire. Ce qui nous montre que ce prologue des gens nous tire résolument vers le ciel. On ne va pas dire que l'évangile de la nuit, l'évangile de la nativité ne nous tire pas vers le ciel, mais avec saint Jean, on a une vision, on va dire, de la divinité du Seigneur qui nous est immédiatement donnée et qui donne la vraie tonalité de la fête de Noël. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. C'est le mystère que nous célébrons en ce jour. Alors, saint Jean commence avec ce verset bien connu, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, il était au commencement auprès de Dieu. Commencement. Noël, c'est un nouveau commencement, encore plus important que le commencement de la création du monde, où le Verbe était déjà présent. Genèse 1, 3, Dieu dit, que la lumière soit, etc. Dieu dit, chaque fois que Dieu prononce une parole, le verbe qui veut dire la parole est déjà là. Donc, au commencement était la parole. Et saint Paul dit même qu'il est le commencement, notre commencement. Donc, il était au commencement et il est notre commencement. Saint Paul, dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, au verset 18. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Il est le commencement et il était au commencement. Donc, Dieu parle, Dieu donne son verbe depuis toujours. Et l'Épître aux Hébreux nous le rappelle également. Le début de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a créé les mondes. Donc Jésus, le Verbe, qui s'appelle le Verbe ici, la parole, était au commencement. Alors, l'imparfait grec ne suggère pas un passé. L'imparfait grec suggère quelque chose qui est, qui était et qui vient. On a pu dire que cet imparfait énonce ici l'éternité intemporelle du verbe. L'imparfait, c'est pas un temps, c'est un mode. Il est, il était et il vient. Donc, le verbe est depuis toujours et à toujours. Et on nous dit ensuite que le verbe, alors, s'est traduit par « il était auprès de Dieu ». Le grec dit plutôt « tourné vers Dieu » ou même tout simplement « il était vers Dieu ». Donc on se dit « il y a le verbe et il y a Dieu ». Et il était, il avait un mouvement vers Dieu. Et puis tout de suite après, « il était Dieu ». Alors on voit bien que la grammaire ici évoque le mystère. Parce qu'on ne peut pas être à la fois tourné vers Dieu et être Dieu. Il est grand le mystère de la Trinité, vers Dieu et il est Dieu. Et on entendra la même chose au verset 18, c'est-à-dire le dernier verset de cet évangile du jour de Noël, où il est dit que le verbe qui est
Pardon, c'est le verset 18, hein, je ne sais pas si c'est le dernier qu'on va entendre, où il est dit qu'il était dans le sein du Père. Oui, le Fils unique, qui est, lui qui est vers Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alors on se dit, il est Dieu, il est dans le sein du Père, il est vers Dieu, il est tout ça à la fois. C'est le mystère de la Trinité, que Saint Jean reprend dans sa première lettre, 1 Jean 1-2, ou alors c'est du charabia, ou alors il est grand le mystère trinitaire. On n'a pas tellement le choix là, on ne peut pas expliquer rationnellement ce que dit ici Saint Jean parce que ça ne tient pas. Alors, première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 2, même chose. La vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous en rendons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était vers le Père, alors ça c'est comme le verbe, et le Père, vers le Père et qui nous est apparu. Vers, ça veut dire tourner vers en communion profonde et finalement qui ne fait qu'un avec le Père. Donc ça c'est le premier verset. Le premier et le deuxième verset du prologue de Saint Jean. Le troisième, c'est plus l'imparfait, c'est le passé simple, hein, une action ponctuelle, une action qui est marquée dans le temps, qui a un début et qui a une fin. Tout a été créé par lui. L'Éternel vient habiter le temps. Tout a été créé par lui et sans lui, rien n'a été créé de tout ce qui a été créé, nous dit le texte. Donc Dieu a créé le monde par sa parole. Il s'agit ici bien sûr de la première création. Et c'est repris à maintes passages dans la Bible. Vous avez par exemple le psaume 33, versets 6 et verset 9. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits, par le souffle de sa bouche, toute leur armée. Et verset 9, il parle et cela est, il commande et cela existe. La création, dès les origines, ça a un rapport avec la parole de Dieu. On comprend bien cet écrit. Ou encore au livre de la Sagesse, chapitre 9, verset 1. Dieu des Pères et Seigneur de miséricorde, toi qui par ta parole as fait l'univers. Et enfin, Saint Paul, toujours les Colossiens, chapitre 1, cette fois-ci verset 18. Verset 16, pardon, c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Et plus loin, tout a été créé par lui et pour lui. Verbe créateur, verbe parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est de toute éternité et qui va venir habiter l'histoire. Dans l'Ancien Testament, cette parole, on l'a abondamment entendue et écoutée, et dans le Nouveau, en plus, on l'a vue et contemplée, comme le dit aussi Saint Jean dans sa première épître. Donc voilà, cette parole qu'on va contempler. Alors, je saute au verset 14, évidemment le grand verset de ce prologue, hein, où il est dit que le Verbe s'est fait chair. La traduction dit « Il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire, etc. » Alors, ça, c'est exactement le mystère de Noël. Même cette nuit, quand on a contemplé le bébé dans la crèche avec les anges, et puis Marie, Joseph, les bergers, etc., c'était bien, c'était une belle crèche, mais en même temps, c'était Dieu qui s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair, hein. C'est le fondement de notre credo. Il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. La parole de Dieu est descendue du ciel et venue habiter l'humanité. C'était annoncé par les prophètes, c'est l'accomplissement des Écritures, bien sûr, Isaïe 55, versets 10 et 11. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. La parole de Dieu vient habiter chez nous. Il y a aussi un très beau passage du livre de la Sagesse, sur lequel on s'appuie pour célébrer la messe de minuit, à minuit, parce que comme son nom l'indique. Sagesse 18,
14. Alors qu'un silence paisible enveloppait toute chose et que la nuit parvenait au milieu de sa course, du haut des cieux, ta parole toute puissante s'élança du trône royal. Voilà. Alors, il a habité parmi nous, le grec dit très exactement, il a planté sa tente parmi nous. Évidemment, ce n'est pas la tente de Décathlon, c'est la tente qui, en latin, se traduit par tabernacle. C'est l'habitation de Dieu chez nous. C'est la même chose qu'on trouve, alors le même verbe, pour parler de Lot, le juste, qui va planter ses tentes à Sodome. Lot, le juste, habite Sodome. Jésus, le juste, avec un J majuscule, plante sa tente dans ce monde de péché qui peut s'appeler aussi Sodome. Donc la tente, il a planté sa tente, son tabernacle, il a dressé son tabernacle parmi nous. C'est évidemment aussi une allusion à la fameuse tente du rendez-vous où Dieu se manifestait au désert, à l'époque bénie du désert. Exode chapitre 40, verset 34. La nuée couvrit la tente du rendez-vous, la tente du rendez-vous. Et finalement, il nous a tellement donné rendez-vous qu'il est venu lui-même en chair et en os nous parler. La nuée couvrit la tente du rendez-vous et la gloire du Seigneur emplit la demeure. Voilà. Le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Là encore, le prophète Isaïe l'avait dit. Isaïe 40, verset 5. Alors la gloire du Seigneur se révélera et toute chair d'un coup la verra. Pourquoi ? Car la bouche du Seigneur a parlé. Ah ben voilà, c'est la parole de Dieu une fois encore. Accomplissement parfait et plus que parfait des Écritures. Alors la tradition de l'Église commente ainsi ce mystère étonnant de l'incarnation. Je lis Saint Irénée. Voici la raison pour laquelle le Verbe de Dieu s'est fait chair et le Fils de Dieu, Fils de l'homme, pour que l'homme entre en communion avec le Verbe de Dieu et que, recevant l'adoption, il devienne Fils de Dieu. S'il est venu planter sa tente parmi nous, c'est pour que nous lui devenions semblables et qu'il nous prenne avec lui dans la vie éternelle. Alors c'est la fameuse formule des pères de l'Église que je vous relis ici, c'est Saint Grégoire de Nazianze. Il s'est incarné, ça veut dire il a pris chair. Et l'homme est devenu Dieu puisqu'il est uni à Dieu et ne fait qu'un avec lui. Car la plus grande plénitude l'a emporté afin que je devienne Dieu autant qu'il est devenu homme. La fête de Noël, c'est la fête de notre divinisation. Dieu a pris un corps d'homme pour que nous soyons divinisés. C'est une fête extraordinaire. Alors, je vais terminer avec le verset 18. C'est donc le dernier verset qu'on entendra pour la messe du jour de Noël, où il est dit que Dieu, personne ne l'a vu, hein, Dieu est l'invisible. Donc la loi fut donnée par Moïse, la grâce est... Bon, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alors, Fils unique, traduction un peu insuffisante. Le grec ici parle de fils monogène. C'est peut-être un peu compliqué comme mot, mais ça veut dire qu'il y a une manière unique pour Jésus d'être engendré par le Père. Ça n'a rien à voir avec l'engendrement humain. Il est engendré de toute éternité, depuis toujours à toujours. C'est pour parler du lien d'amour qui unit le Fils au Père et le Père au Fils qu'on parle d'engendrement. Rien à voir avec un engendrement humain, monogène. Il est l'unique engendré, ça veut dire unique engendré de cette manière, d'une manière divine, d'une manière éternelle, voilà, qui n'a pas de commencement et qui n'aura pas de fin. Alors à la place d'unique, il vaudrait mieux mettre monogène avec une note en expliquant ce que ça veut dire. Alors ce fils monogène, pourquoi il est venu sur terre? Pourquoi il s'est incarné? Pour notre divinisation. Et pour être divinisé, il faut qu'on connaissent Dieu.
car Dieu veut être connu. Le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un arbre mensonger. Le péché a été de croire qu'on pouvait connaître Dieu sans Dieu et avoir une connaissance sans Dieu. Et Jésus est venu nous rendre la véritable connaissance en nous disant qui était Dieu, et même en nous manifestant par tout ce qu'il était lui-même, qui était Dieu. Parce que le verbe ici qui est traduit par « faire connaître », le grec dit « il en a fait l'exégèse », c'est-à-dire il en a fait surgir le sens plénier. Il nous a expliqué parfaitement qui était Dieu. En Jésus, nous savons tout ce que nous pouvons savoir et tout ce que nous avons besoin de savoir sur Dieu et sur ce à quoi nous sommes appelés, c'est-à-dire la divinisation. Voilà ce que dit Saint Jean ailleurs au chapitre 17, au verset 26. Voilà ce que dit Jésus. « Je leur ai fait, leur c'est nous, hein, je leur ai fait connaître ton nom, ça veut dire qui tu es très exactement, et je le leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. » Voilà la connaissance de Dieu et la divinisation. C'est ce que nous fêtons en ce jour de Noël. Et je termine avec un autre passage de Saint Grégoire de Nazianze. « Je proclamerai la grandeur de cette journée. L'immatériel s'incarne, le Verbe se fait chair, l'invisible se fait voir, l'impalpable peut être touché. L'intemporel commence, le Fils de Dieu devient Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ, toujours le même, hier, aujourd'hui et dans les siècles. » Sœur Claire, merci.